Salut à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour une petite séquence unboxing, parce que là quand même, regardez ce qu'on a reçu à la rédac. Ça je crois que ça a fait envie à beaucoup de fans de Sonic qui ont été très heureux de constater que Sonic Mania, sorti depuis le 15 août dernier, pile poil pour la fête de la Sainte Vierge, est arrivé dans les chaumières et il a contenté absolument tout le monde. Le vrai Sonic 4, a dit Angèle dans son test sur Gameblog que je vous invite à lire, c'est quand même neuf, indispensable, une Madeleine de Proust, un Super Sonic et a priori un Super Collector, mais ça, pour le savoir, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon cutter, moi? Oh merde, j'ai oublié mon cutter. Ah, merci Sonic. De rien. C'est génial. Alors, hop, parce qu'on veut faire les choses bien quand même, on n'est pas des sagouins. Hop, hop, et on va même le faire en dessous. Histoire d'être sûr que tout se passe bien. Voilà. Clac. Et voilà. Alors, sur cette grosse boîte, vous voyez, c'est une grosse boîte quand même. Petit spoiler, on voit directement le contenu avec cette fameuse Mega Drive et ce fameux Sonic, cette cartouche. Alors, on va découvrir ça tout de suite. Vous voyez, il y a tout le contenu là. Et là, qu'est-ce qu'il y a là? Ah merde, les piles sont pas incluses! Sonic! Oh putain, mais t'es trop forte! Hein, c'est génial! Ouais, c'est pourquoi? Les piles sont pas incluses, hein. Faites gaffe! Hein. C'est comme les jouets à Noël pour vos petits-enfants et tout! C'est pourquoi? C'est pour la statuette? Bah oui, certainement! Ah, on va voir ça! Bah, allez, j'avais les piles sur moi, je sais pas même pourquoi! Bon, tu me laisses ouvrir, Sonic? Ouais, vas-y! Allez, tiens, on regarde des autres côtés de la boîte quand même! Welcome to the next level! Avec Robotnik! Voilà. Allez, allez, on vous fait plus attendre plus longtemps. Et bah, il y a exactement la même chose en dessous. C'est incroyable. Ah, c'est pas croyable ça. C'est pas croyable. Alors, vas-tu trouver la solution? Alors, c'est un castelcino. Bah oui, c'est très simple la solution. Regardez, ça s'ouvre ici en fait directement. Ouh là 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 là. C'est un peu en bordel. Ça devrait être comme ça. Voilà. Oh là là, mais c'est gros, dis donc. Bah ouais. C'est vachement. Mais c'est une Mega Drive taille réelle. Je crois même qu'elle est plus grosse que, que l'original. Hein. Elle est plus grosse que quoi, tu dis? Que l'original. Non. Hein. Non, je crois pas. Non. Bah si. Alors d'abord, on va voir ce petit truc. Non, on va faire gaffe. Vous allez voir un code. Hop. Ah non, tu vois les informations sur les... Sur les piles. Donc ça, c'est le code PS4. Le collector existe aussi en Switch, en PC, Xbox One. Il existe dans tous les formats, mais il y a très peu d'exemplaires. C'est vendu pour information 90€. C'était vendu 90€. Maintenant, il n'y en a quasiment plus. Donc, si vous voulez le trouver, c'est à peu près le double actuellement. Allez, on va sortir tout ça. Alors, Sonic est directement collé en fait à la Mega Drive. C'est beau. Hein. C'est beau. Alors, ça fait un peu plastoc évidemment. Hein. Tu vois le compartiment à piles? Putain, le truc on-off fonctionne. Il bouge, hein. Bah, c'est normal. Il faut le truc est bougé. Voilà, justement. En tout cas, bon, évidemment, les ports manettes, c'est juste des petits trous. C'est même pas des petits trous, d'ailleurs, c'est juste des petits, tiens, petits points blancs. Bouge pas, parce qu'il faut que je cherche un autre truc maintenant. Alors, pendant ce temps, on va regarder un peu les autres trucs. Donc, on a la fameuse cartouche Sonic Mania, qui est véritablement au format de cartouche Mega Drive. Hein. Hop. Mais la petite subtilité, c'est que la cartouche en dessous, ça s'ouvre et ça dévoile le fameux... Le cockring, non pardon, l'anneau de Sonic. Le fameux petit anneau de Sonic. Voilà, donc ça c'est voilà, un petit objet en plus, très sympa. Et il y a également, attends regarde, il y a une carte Sonic Mania, métallique, avec les deux autres personnages derrière. Et B. Voilà, donc ça, je sais pas trop à quoi ça sert, c'est pour la foutre quelque part, non? C'est pour avoir la classe. Voilà, c'est pour avoir la classe. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc vous savez quoi? On va essayer de mettre les piles pour voir ce que ça fait quand même, c'est mystérieux ce truc. Parce que je suis obligé de m'occuper aussi du tournevis. Allez, vas-y. Vas-y, Sonic. T'en es vachement mieux à deux pour faire un unboxing quand même. Ouais, c'est vrai. J'arrêtais pas de te le dire. Alors. Ouais. Hop. Quel talent. Hop. On va même faire les choses bien, on va directement on le revisser. Encore mieux que sur des stands de F1 là, je pense qu'on est en train de battre des records de... Ouais, c'est ça. Hop. Vroom. Et voilà.
Allez, on allume ou pas? Ah bah oui, là, faut... Alors on va vérifier. Allez, c'est parti, attention. Ça va pas marcher. Il y a une petite diode ici, ça c'est une vraie diode, tu vois. Ouais. Allez, je presse le bouton on, c'est parti. Attends, je vais mettre le son à fond d'abord. On sait jamais. Et c'est parti. Surtout pour toi. Oh! Et quand t'appuies sur reset, peut-être que c'est un peu moins relou que quand tu fais le... Parce que tu vas le casser. Ah non, il n'y a pas de reset. Non, il n'y a pas de reset. Voilà, bah, c'est juste pour le kiff du Sega. C'est pas mal comme collector. Alors, malgré tout, les fans purs et durs réclament à corps et à cri depuis que le jeu est annoncé ou presque, une version physique. Ça aurait été bien d'avoir une petite version physique avec ce collector. Sega a dit qu'ils réfléchissaient actuellement, qu'ils entendaient bien tous les cris des fans qui réclamaient une version physique. Elle arrivera peut-être un jour, mais voilà, pour ceux qui ont le collector, pour l'instant, c'est pas prévu. Et c'est comme ça, c'est juste cette petite statue de Sonic, grande, hein, vous avez vu quand même. Ouais. Une Mega Drive vraiment format 1 pour 1. Hein. Moi je dirais que c'était vraiment. Non, je pense qu'elle est un peu plus grande. Je crois pas. Hein. Ah, je pense que bah, si. Moi j'en ai eu une très longtemps. C'est vrai. Et ça me paraît être le format Mega Drive normal, quoi. Écoute, on verra. Voilà. Après, toi, t'as un sens des proportions qui est un peu faussé, donc. C'est vrai, ouais. Eh bien, écoute, voilà, c'est pas mal. Il y a une petite. Un petit bout de peinture qui est pas terrible, là, quand même. Mais sinon, globalement, c'est plutôt un bon ouais, boulot. C'est pas mal. Hein. C'est du plastique léger, un peu creux. Mais disons que voilà. Derrière une vitrine sur une étagère, ça fera le boulot. Dans votre petit intérieur, pour peu que votre femme soit d'accord, parce que par exemple chez moi c'est difficile ce genre de truc. bah ça c'est la classe quoi, c'est la classe. Voilà. Exactement. Allez. Bah merci. On met la petite cartouche là, on fait une petite présentation finale des différents éléments qu'il y a là-dedans. Hop. Bon, moi je vais garder le code, hein. Tu m'excuseras. Ouais, moi je m'en fous, je l'ai déjà. Oh. Allez, on vous dit à bientôt sur Gameblog, les amis, pour d'autres unboxings et plein d'autres réjouissances, hein, comme d'habitude, parce qu'on s'arrête pas au unboxing, bien sûr. Allez, salut Sonic. Ciao. Ciao.